Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bon Dieu béni nous. Nous dit Seigneur, merci en pile pour grâce et miséricorde envers nous. Je dis, c'est exactement début deuxième semaine, non, trois semaines, non. Et nous dit bon Dieu, merci pour grâce li ak bénédiction li, li te déversé sous pendant première semaine, non, avec l'homme de Dieu, l'évangéliste, c'est genre l'image. Et nous croyons que li rejoignent famille en bien, non, non, Jésus. Semaine ça encore, nous comptons sur miséricorde bon Dieu pour le permettre que ce maintenant les capables fructueuse et bénéfique pour ni moi-même ni vous-même toute l'église là entièrement, et nous compter sur faveur bon Dieu pour déroulement deuxième semaine là, et nous compter sur bienfait la promesse Léo pour troisième semaine là avec le docteur Léon Agnos. On acclame bon Dieu pour cette grâce pendant la première semaine, qu'elle déjà permette que nous vivions en bien. Alléluia. Nous prenons rapidement. Rapidement et rapidement. Gloire à Dieu. Malachie chapitre 4, les versets 1 et 2. Mais le texte principal, c'est le deuxième verset. Mais pour Asroya, on fait, alors on applique et tous deux versets. Yo. Merci. Nous sommes debout si cela ne vous dérange. Amen. Malachie, je pense que si vous cherchez Malachie, c'est un livre qui est plus facile pour chercher parce que c'est le dernier livre l'Ancien Testament, donc c'est lui-même qui fait route by l'Évangile selon Matthieu. Donc soit cherchez-le, je pense que ces livres vont joindre plus facile. Malachie 4, versets 1 et 2. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les humains et tous les méchants seront comme du chaume. Alors, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Tous les hautains, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Verset deuxième, côté témoin, il sortit exactement. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Seigneur, agréable Père en Jésus-Christ et adorable Père en Jésus-Christ, dans seconde et minute saillon, nous trouver ces secondes bénies pour nous, ces minutes bénies pour nous, parce que nous joignons privilège et permission pour nous dans la présence. Seigneur, être dans ta présence, ce n'est pas une messe à faire. Si nous là pour nous faire n'importe quoi, c'est une autre bagaille. Mais si nous là pour la cause de l'Évangile, et nous là pour nous adorer, c'est pour nous accomplir mission, nous là. Merci parce que l'église communauté chrétienne Merlin li présent à Soya pour accomplir mission. Merci pour chaque leader noyo qui là pour accomplir mission yo. Merci pour chaque département dans l'église là qui présent ayant seul objectif c'est accomplir mission yo. Seigneur, seconde sa yo ak menit sa yo. L'église ou soif tendez ou parler. Tant que l'auteur a dit, moi soif tendez ou parler, les ou parler ou montrer ça pour me dire.
parlez non, Seigneur. Moi, soif, tendez ou parlez. Seigneur, assoya, yon sujet qui clé dans la question royaume, dans la question salut, dans la question la vie de l'Église. À tel point, Seigneur, nous arrivons à comprendre, cher accent, non, pas permettre non, nous déguster dans toute intégralité, yon thème pareil, si l'esprit ou li pas là. Puisque serviteur a souvent dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de toi. Seigneur, s'il vous plaît, parlez, car ton assemblée écoute. Parlez, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Serviteur, vous attendez. Servant, vous attendez. Et l'Église, vous attendez. Et béni, Facebooker, YouTuber, qui suivent un peu partout sur la planète Terre. Béni, et béni tout staff média à l'Église. Là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon Dieu béni. La crainte de Dieu dans la vie du croyant. Malachie chapitre 4, le verset 2. Malachie chapitre 4. Ce soir, nous allons faire en quelque sorte yon introduction nan thème nan, et nan introduction sa, nou va gen pour mission défini avec ou ki sa ki la crainte de Dieu. Et la vie du croyant, les jours qui suivent, si Dieu li permet nou, nou va aborder sa dans la mesure du possible. Maintenant, ce soir, la crainte de Dieu dans la vie du croyant, en point premier partant, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est qui s'allier et qui le on monde capable de parler de la crainte de Dieu et qui ça au capable de relayer la crainte de Dieu. Qui l'est dans la vie un peuple, il gagne la crainte de Dieu. Et qu'il est dans la vie en peuple ou pas capable d'oser parler de la crainte de Dieu. D'après une définition biblique qui passait à l'égard du mot la crainte, et pour ne pas dire la crainte de Dieu, il définit comme ça que la crainte de Dieu est la notion centrale dans la Bible. Elle fait référence à la piété envers Dieu. On reprend rapidement, la crainte de Dieu est la notion centrale dans la Bible. Et cette crainte, elle fait référence à la piété envers Dieu. Selon Psaume 19, le verset 9, la parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Psaume 19, le verset 9. Maintenant, la crainte de Dieu comme la notion centrale dans la Bible, qui ça savent les dire? Mais bien aimé, Bible complète, qui n'en met en l'an, que l'État, lui second, que l'État esprit et vie, que l'État la nouvelle Jérusalem, qu'il t'a capable la nouvelle vie, qu'il t'a Tobe, qu'il t'a Thompson, qu'il t'a Scofield, qu'il t'a capable la Bible détaillée, n'importe qui version qui n'en met en l'an, le gagne 66 livres. La crainte de Dieu comme étant la notion centrale dans la Bible, cela dit, yon un point culminant, yon un point essentiel qui traité dans la Bible, c'est la crainte de Dieu. Dès la Genèse, nous gagnons c'est ce qu'on appelle la présence de la crainte de Dieu. Et nous lorsque Adam et Ève
yo te passé la crainte de Dieu sous côté, non te wè à qui ça te baille naissance. Ça te baille naissance à la désobéissance totale. Cela dit, en grosso modo, côté qui gen crainte de Dieu, gen obéissance à la parole de Dieu. Côté qui pas gagné la crainte de Dieu, l'inverse, le total. Ou gagné désobéissance totale. Maintenant, la crainte de Dieu comme notion centrale dans la Bible, c'est ça qui attirait la personne de Dieu même dans la vie du croyant. La crainte de Dieu, ce soir, permettez-moi de dire comme ça, dans le niveau thème, la crainte de Dieu, c'est cordon ombilical qui lie le chrétien avec le Créateur. La crainte de Dieu, c'est cordon ombilical qui marie créature là avec créateur là. Qui ça, ça veut dire dans le langage biologique, gynécologique, qui leur parlait de cordon ombilical. Toute maman qui l'a, qui potait bébé déjà, n'a pas remarqué lorsque Timounan lui fait une prendre naissance, lui encore lié avec maman. Pas un code. Généralement, beaucoup de panneaux nous le code lombrite. Thème professionnel là, c'est cordon ombilical. Maintenant, cordon ombilical ça, petit là, lui nourrit pas lui-même à travers maman. Cordon ombilical là, sa maman nourrit bébé à qui n'en vente, lui nourrit de lui. Donc, pour pièce raison, ou pas capable de séparer bébé a avec cordon ombilical là, tout autant que l'œil pas arrivé pour le fait. Et le jour tu as gagné un problème, un malaise qui présentait gon nécessité urgente pour yo prendre bébé a catégoriquement puisque yo séparé le un, yo retiré le dans liquide amniotique côté le TEA de façon précoce. Deuxièmement, depuis yo retiré le, faut que yo séparé le avec maman. Maintenant, il y a coupé cordon ça. Obligatoirement, bébé ça lit encore vivant. Il est obligé de prendre route droite directe avec lui dans un centre pédiatrique côté que il doit aller garder bébé ça dans couveuse dans un hôpital qui préparé qui fait pour ça. Maintenant, puisque bébé ça pas dans vente encore, obligatoirement bébé ça lui doit dans sérum, il doit prendre médicament tandis que dans vente maman il pas dans sérum mais il pas de jambe grand goût, il pas de jambe. Et bon série de besoins pour qui ça, c'est que avec cordon qui est lié avec maman là, toute sa maman le nourrit lui-même, lui nourrit tout. C'est de même la créature pour lui rester attaché avec son créateur gagne un cordon. Et depuis dans l'Ancien Testament, ce cordon il était bel et bien existé, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien, lit plus que ça. La théologie traditionnelle t'a défini. La crainte de Dieu lit plus que ça légaliste t'a essayé comprendre et dit. La crainte de Dieu, c'est l'essence même du chrétien dans la présence de son Dieu ou bien de son Créateur. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, prêtez attention. En pile monde, dans ça qui a rapport avec la crainte de Dieu, ils ont perdu et puis ils ont égaré dans la foi. Pour qui ça? Parce que ils ont du mal pour cerner le vrai sens de la crainte de Dieu. Je dis à pas manquer monde dans pile assemblée locale qui quittait la route du salut et qui changeait assemblée tant que chemise, qui changeait pasteur tant que chemise, qui changeait adresse, ministère, ta couche chemise, qui ça y a cherché? Y a cherché le vrai Jésus. Mais bien aimé, le vrai Jésus, il n'est pas gagné en dans quatre murs directement côté lié. Mais le vrai Jésus, il est trouvé le côté qui gagne crainte pour lui. Il y a un point fort pour attirer fourmis, ce n'est pas objet qui douce. Il y a une méthode efficace et extrêmement efficace. Pour garder une quantité de fourmis,
Non, il se passe. On n'a pas besoin de faire un pile effort pour ça. C'est juste mettre sa cap à tirer pour me. Eh bien, tout côté au besoin de joindre mon Dieu, ou pas besoin de changer, assembler ta chemise ou, mais battre pour la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, même si vous avez assemblé 5000 personnes, dans 5000 personnes, ça a un pile là-dedans, vous avez vivre dans des ordres, mais ou même si vous avez la crainte, vous vivre mon Dieu personnellement. En pile fois, peut-être chrétien, vous marchez avec un ventilateur parce que vous n'arrivez pas à comprendre l'élément capable de faire joindre avec le Créateur. En pile fois, il y a des amis qui font quoi que la sainteté, c'est le chemin par lequel on est capable de rejoindre à Jésus. Archi faux. La sainteté, ce n'est pas le chemin par lequel pour joindre à Jésus. Mais Jésus, c'est le chemin par lequel on peut joindre à la sainteté. Je vais me redire samedi. En pile fois, il y a des gens qui trompent, mes très chers frères, sœurs dans le Seigneur, qui comprennent que. Il y a besoin de jouer avec bon Dieu, mais pour jouer avec bon Dieu, c'est sainteté. Il y a besoin de vivre dans sainteté pour jouer avec bon Dieu. Alors, c'est faux. Ou pas capable de vivre dans sainteté pour jouer avec bon Dieu. Mais c'est Jésus-Christ qui est chemin. C'est Jésus pour jouer avant pour Jésus-Christ, mais non dans sainteté. Notez ça. N'importe quel niveau, il y a un monde païen. Jésus-Christ a fait apparition dans la ville. Mais n'importe niveau païen, pas qu'à recevoir la personne du Saint-Esprit. Donc, ici. Le cadeau qui fait avec le monde, ce n'est pas la sainteté, mais c'est Christ. Maintenant, avec la crainte de Dieu qui était déjà existé dès la Genèse, nous t'es déjà joindre méthode et moyen par lequel pour nous t'arrêter dans la présence du Créateur. Maintenant, moun sa yo, en pile foi, qui est perdu, qui est garé dans la foi, qui a cherché qu'on est. Qui ça même la crainte de Dieu yo confus et en pile fois yo rive pas chuter en pile fois yo rive pas bay vague après yon tas d'expérience que yon moun fait sous prétexte que l'a cherché le Jésus le vrai li pas joine avec lui finalement la pour place li pas dans l'église encore li gen pou le bay vague un jour gen l'autre groupe moun qui yo même yo toujours chercher comprendre qui ça qui la crainte de Dieu yo utiliser yon ignorance totale pour yon capable de justifier leur laisser faire. Qui ça savent le dire? Moun nan besoin de faire un tas de désordre, moun nan besoin d'aller en série de côté, et puis il prend prétexte que le pas qu'on est qui ça la parole de Dieu dit. Bien aimé, acte 17:30 dit, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Gen moun qui comprennent l'in temps d'ignorance, ce n'est pas vrai. En pile moun pa ka konnen sou nan tan ignorance, c'est Christ qui ka konnen sou nan tan ignorance. Pour qui ça? Cet esprit c'est professeur. En pile fois nan sort pense au ignorant, Jésus-Christ lui permet cet esprit enseigner sur lui déjà. Mais son problème de maturité qu'il faut pas ka konnen est-ce que cet esprit enseigner sur lui. C'est ça qui fait nan question d'ailleurs dans ciel là, gen moun k'ap d'ailleurs dans ciel là, pendant d'ailleurs, li gen pou le crier à gratin. Cela veut dire li gen pou le crier à caresse. Pour qui ça le pour le crier à Christ? Même ça le pense le égaré la donne non. Si elle l'a pris à le montrer qu'elle t'a enseigné le zolé. Comprenez ça bien. Bien aimé frère et soeur en Jésus Christ. Craindre Dieu, c'est le verbe. Crainte, c'est non féminin. Craindre, c'est le verbe là. Craindre Dieu, l'irriter quelque chose d'assez confus pour les âmes égarées. Et moun ki gen nan yo ki égaré k'ap chercher comprendre qui est ce qui vrai Jésus a et qui vrai sens Jésus a gen nan fi yo yo égaré finalement puisque yo confus yo font grain résumé de la crainte de Dieu yo dit la crainte de Dieu c'est la peur de Dieu mes bien-aimés frères et sœurs li pa pour les chrétiens journal m'entendé un chrétien dit moi-même j'ai la peur de Dieu mandel est-ce qu'elle qu'on rencontre à Christ. Il y a un monde qui fait rencontre à Christ pas qu'à paix, bon Dieu. Est-ce qu'elle compte sa Christ là? Lorsqu'on fait rencontre avec le Seigneur, ou pas qu'à paix le Seigneur, mais on a crainte le Seigneur. Est-ce que petite fille ou là qu'à peur, pendant la vivre dans l'obéissance avec vous? Est-ce que petit garçon n'a qu'à peur, pendant la vivre dans craintif dans l'obéissance avec vous? Jamais. Ça veut dire, je n'ai pas entendu tout le monde dit, m'paix papa m'paix. M'paix maman,
son timon y a kembe du pour le pas faire des ordres. Si timon non, li vive selon les préceptes, selon les prescrits, selon l'ordre maman n'a papa le passé. Li pa gen pour le maman n'a vini pour le voltiger. Li pa gen pour le papa l'a vini pour le voltiger. Maman parti, il te dit pas sorti la ouya. Timon n'a sorti la ouya, c'est normal, pas donne les machine n'a vini le voltiger parce que il te dit pas sorti la ouya. Maintenant, lorsque ou pas gagner la crainte de Dieu, ou pral tomber dans la peur de Dieu. Qui ça pas au fait monde qui pas connaît Christ. La crainte de Dieu c'est pour les croyants et la peur de Dieu c'est pour les incroyants. Si moi dit ou est en dedans ou peur bon Dieu ou gon problème qui donc ou pour rencontrer Christ. Comme ça tout monde ouais qui peur bon Dieu a catégoriquement ils sont incroyants. Mais pour monde qui rencontre à Christ là, monde ça, il a la crainte de Dieu. On pensait n'a pas ta comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire puis bien. La question de la crainte de Dieu, il pas un rapport avec la peur de Dieu. Pour qui ça? Dieu pas un despote. Un despote, c'est un monde non seulement qui gouverne seul, mais il se croit être grand souverain. Dieu pas despote. Et pas monde qui a dirigé avec bras de fer. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu était un despote, pas t'as qu'un moyen pour pièce monde quitter l'église. On t'a remis exactement ça. Si Dieu était un despote, pas t'as qu'une possibilité pour un monde l'église là, et puis il n'a pas un rapport avec Christ. Christ a shooté le déjà. C'est parce que Christ n'est pas despote. Christ n'est pas despote, cela dit que Christ reconnaît que lui mettait dans chaque monde qui a le libre habite. Christ reconnaît qu'elle mettait ça dans où? Christ reconnaît qu'elle mettait dans vous-même le vouloir. Christ reconnaît qu'elle mettait dans vous-même la volonté, autrement dit. Maintenant, il n'y a pas de rapport pour être avec la peur de Dieu. Ça nous voulait parler de la crainte. Là. La crainte de Dieu, c'est un autre domaine. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez ça. Au sens propre et courant du terme, soit capable de le verbe craindre. Craindre, c'est synonyme d'avoir peur ou d'être épouvanté. Mais gagner la crainte de Dieu, c'est tout yon l'autre bagaille. Écoutez ça. Langue française là, n'est pas aussi riche ta kou langue hébraïque là, ta kou langue grecque là. Qui s'est passé? Langue française là, dès pour aller chercher la crainte la donne, la bonne crainte li gen pour synonyme la peur. N'importe monde qui gon dictionnaire chercher la crainte dictionnaire à la bord synonyme peur. Mais dans la langue, dans le langage hébraïque, l'on dit la crainte de Dieu li pa gen ken rapport pour avec la peur. Donc problème qui présenté dans définition dans dictionnaire français ya, c'est yon faute de yon langue qui pas trop riche. Yon langue qui pas trop riche. Bien-aimés frères et sœurs, premièrement nous devons retenir ça que bon Dieu, lui c'est un bon Dieu qui d'amour. Ça veut dire notre Dieu que nous servons, il est un Dieu d'amour. Et qui l'amour bon Dieu gagne pour l'homme? Bon Dieu gagne l'amour qui c'est l'amour inconditionnel envers petit lio comme créature lui. L'amour bon Dieu qui c'est l'amour divin, lui présent dans grâce bon Dieu que bon Dieu lui revêtit avec nous-mêmes et l'amour ça li pas synonyme de mentir, li pas synonyme de pression, mais li c'est la patience et la bonté. N'importe monde qui croit que la crainte de Dieu c'est la peur ou bien c'est avoir peur de Dieu, moun sa catégoriquement li était croit bon Dieu son bon Dieu des mentirs. Deuxièmement, li était croit bon Dieu ça son bon Dieu qui fait moun agir sous pression. Bon Dieu pas jamais fait peuple agir sous pression. Même dans moment qui plus noir, bon Dieu, pas jamais quitté peuple qui agit sous pression. Bon Dieu, au contraire, même dans le moment qui est noir, bon Dieu, il y a force à gloire pour suivre lui pas à pas. C'est ça qui fait Paul pour le dire, bon côté Paul, l'esprit bon Dieu mettait dans nous maintenant, c'est pour un esprit de timidité, mais son esprit de force. Qui donc ici, il y a un monde qui a servi bon Dieu, ou pas qu'à dire, mon père, le jeûner parce qu'on sous pression. Ou pas qu'à dire moi pral faire veille de nuit parce qu'on sous pression. Ou pas qu'à dire moi vinn dans étude parce qu'on sous pression. Ou pas qu'à, et c'est pas sans raison, psalmiste l'a dit,
moi senti me content là yo dit en aller nan kay ki a pas pour Seigneur. Pour qui ça? C'est parce que on pral nan kay ki a pas pour Seigneur, mais c'est pas calé yo calé pour m'aller. C'est pas exiger yo exiger m'aller, mais c'est moi qu'on est l'aimer aller nan kay Seigneur qui ça me joigne qui bon. Qui ça le fait pour moi? Donc ici à la maison de Dieu, lorsqu'au présent ou joigne ciel là qui ouvert pour permettre descendre sous la vie ou la pluie de la bénédiction de Dieu. Ainsi, tout le monde qui rencontre avec la crainte de Dieu, moun sa yo c'est pour un fardeau pour yo venir de la présence de Dieu. Même Jean, moi quand dit ça quelque part dans un paquet assemblée, c'est mort pour font semaine réveil ou obligé faire compétition pour programme dans réussir en effectif. Compétition veut dire tel groupe a mené invité. Moun ki mené plus moun nan nan fin programme nan, li gon cadeau précieux captain yo. Mais est-ce qu'on connaît en pile fois, il y a plusieurs bagages qui ba naissance ak ça? Nan niveau m'a parlé à la youn nan bagage qui ba naissance ak ça, c'est la crainte de Dieu. L'homme qui a la crainte de Dieu, m'pa quitter moun forcer pour prêcher. L'homme qui a la crainte de Dieu, m'pa quitter moun forcer pour m'intercéder. L'homme qui a la crainte de Dieu, m'pa quitter moun forcer pour m'adorer. L'homme qui a la crainte de Dieu, hey, c'est pas dans colette ou obligé kembe pour prendre genou. Parce que l'homme qui a la crainte de Dieu, premier bagage m'a connait, m'a bon révélation qui dit pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, on connait si on monte exige à jeûner, mon n'a pour bien. Si on monte exige acheter ton bible, mon ça pour bien. Si on monte exige venir de la présence de Dieu, mon ça pour bien. Pour qui ça? Psalmiste dit pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Levez main, on dit pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Maintenant, on comprend que la crainte de Dieu, ce n'est pas nourrir de la peur envers lui. La crainte de Dieu, ce n'est pas lorsque je dis tête moi là, je me réunis là, et puis je me dis, mais ou quoi dit fait bon Dieu, pas sauter en l'air là, t'as l'air comme ça, tomber sur nous, ou quoi. Depuis tant de questions, ça y est, c'est que gon bagaille quelque part qui va marcher. Gon plug qui déplogue. Pour qui ça? Lorsque on vit dans la crainte de Dieu, au contraire, c'est tapion gloire pendant la présence de Dieu qu'on du fait paraître. Au contraire, c'est tapion gloire, c'est tapion fierté pendant nous là et puis une senti gon ange qui bat celle dans caille là. Pour qui ça qu'on est? La crainte de Dieu attire elle. Donc le Seigneur descend pour l'adoration, lui visiter peuple, lui visiter peuple sans pas descendre dans bayo. Et pour saisir ouais dans caille là un bon par exemple un pigeon, par exemple nous t'a réuni pour ça là en pleine adoration et pour garder un pigeon qui a volé dans tête monde là, volé dans tête monde là, ça c'est pas non caloche lui sauver, amen. Mais tout le monde ouais pigeon qui a monté descendre ou après la crainte de Dieu qui ça va le faire, des monde qui va commencer à adorer, amen, avec yon énergie. Des monde qui prend le casse à genou, amen. Des monde qui descend sous fascio, amen. Des monde qui prend le dit Dieu le visite peuple. Qu'on y a prend le dit à couler écrit dans Malachie, dans Habakkuk 2:20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Et puis sortant de là, même monde qui était plus païen là, lui obligé connecter parce que bon Dieu présent. Mais qu'on y a quand l'Église dans le pas qu'on est sacré la crainte de Dieu. L'Église dans ta apprendre. Hey, bon Dieu visite le peuple visiblement aujourd'hui. Il y a des gens qui ont volé les millions d'euros. Il y a des gens qui ont voltigé de l'eau. Il y a des gens qui ont tombé dans la cour. Il y a des gens qui ont même passé dans le jour barrière pour le sortir. Pour qui ça? Côté bon Dieu, yé, pour demeurer, il faut que le cordon ombilical dans les cirés avec elle. On t'a ramené qu'ils apprennent ça. Maintenant, lorsque nous dit que la crainte de Dieu, ce n'est pas nourrir les bagailles qu'on peur. Mais c'est nous. Est-ce qu'on pense qu'il y a un bébé qui est dans l'être, il y a un bébé qui est dans tété qu'après un moment? Jamais. D'ailleurs, même si maman bat le tap, l'a tourné quand même. Même si maman fouette, l'a tourné quand même. Pour qui ça? Il attache à maman. Gon bagay qui est dans maman qui est cher pour lui, qui c'est l'être, qui c'est tété, qui c'est affection, qui c'est tendresse, qui c'est réchauffement maman pour lui. Eh bien, c'est de même. Lorsque yon chrétien a la crainte de Dieu, même si dans un moment donné, yo sanctionnel de façon la plus rigoureuse. Li pap quitte l'église même pas dans semaine. Pour qui ça? C'est parce que gon bagay qui lié là avec créateur là.
Et chrétien, ça arrive qu'on est. L'os sanctionnel, ce n'est pas raï ou raïl, mais c'est aider ou aider l'approcher plus près créateur à chaque jour. Levez-moi, on dit Seigneur, aide m'approcher plus près chaque jour. Seigneur, aide m'approcher plus près chaque jour. L'église, crête nous envers Dieu, lui établit une réciprocité dans sa rapport avec relation nous avec bon Dieu. Crête nous gagner pour bon Dieu, ce qui c'est la crainte de Dieu, lui établit la réciprocité dans une relation que nous développons avec Dieu. Qui ça s'appelle, vle dit, réciprocité. C'est que Christ font bagay pour nous. Nous-mêmes, en retour, nous rendons Christ réciprocité. Qui ça s'appelle, dit? Lorsque je me songe Christ lui mourit pour moi, réciprocité, m'oblige à bailler Christ la vie. Eh bien, lorsque je la crainte de Dieu, crainte là, lui pral aider imaginer la grandeur et la hauteur de Dieu. C'est ça qui fait, mes bien-aimés frères et sœurs. Salmis l'a dit, bagay bon Dieu trop grand pour m'ta comprendre. Bagay bon Dieu trop grand pour m'ta capter, pour m'ta cerner, pour m'ta kembe. Kito, ici, yon nan bagay kap fait m'comprendre le mystère de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Gade moun koto l'a dit, le mystère de Dieu pour comprendre, nous avons besoin de la crainte de Dieu. Autrement dit, mes bien-aimés frères et sœurs, autrement dit, à travers la crainte de Dieu, nous jouons une relation avec bon Dieu. À travers relation avec bon Dieu, nous venons connaître comment pour nous soumettre nous à bon Dieu. Et c'est dans la question soumettre nous à bon Dieu qui fait la théologie traditionnelle lui définit la crainte comme étant la peur. Non, la peur n'a pas de rapport avec chrétien. La peur pas pour l'église. Alléluia. Mais c'est la peur li pour les inconvertis, li c'est pour les incroyants, li c'est pour les païens, li c'est pour les perdus. Qui ça yo peur? Avoir peur de Dieu, qui ça yo peur? Eux, yo peur le jugement de Dieu. Lorsque yo moun li peur le jugement de Dieu le peur à qui ça jugement fait? Qui ça peur à faire dans lui-même? Peur à faire au lieu l'approcher puis près bon Dieu pour venir régler ça, fait mais c'est courir loin bon Dieu. En pile moun ou est dans monde là. Sous ta moun fon mi kotro trois pour ta moun dan pile païen qui yon connaissance, compétence, pour qui soit pas servi Christ. Gen sa kapdo carrément. Comment ta vle, même bon Dieu observe à lui le bon et puis le digon mauvais. On païen intellectuel la commencé la voie. Pour qui sa même bon Dieu ça, si dit bon Dieu, ça vle dit gon mauvais. Pour qui sa bon, mauvais. Deuxièmement, libral douke, mais bon Dieu tellement remè nous. Pour qui ça, bon Dieu, tellement remet nous comme ça? Et puis, si elle là, Satan va être un problème, bon Dieu, pas d'accord qu'il y ait l'air, il a gagné sous la terre côté l'homme. Pourtant, bon Dieu dit, il remet l'homme. Finalement, il fait comprendre que, hein, attention, oui, si ma prière pour ne pas prendre balle, prière mieux prendre plus de temps pour réaliser, pour accomplir, pourtant, nègre là, elle cherche un point, non mouchoir, il y a vu des cartouches sur lui, il ne prend pas, il dit, non, casse ça, bon, prend mouchoir plutôt. L'elfine prend mouchoir finalement, ou dit, est destiné ou, qui compte au bras le parcelle. Lui répond pour le dire, m'pas besoin qu'on côté m'bras le parcelle. Mais je m'gagne là, yo, m'a profité de yo. Pour qui s'en connaît? Lui gagne la peur de Dieu. Lorsque moun nan gagne la peur de Dieu, côté bon Dieu, il disparaît. Mais lorsque vous gagne la crainte de Dieu, sous compte bon Dieu, le derrière ou approcher puis près. Eh bien, pour qui ça, chaque jour après réunion, c'est approcher, nous besoin approcher puis près, bon Dieu. Eh bien, élément pour pousser à m'approcher plus près, mon Dieu, si ce n'est pas problème à traverser, c'est la crainte de Dieu. Donc, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'avez pas qu'à joindre continuellement dans la présence de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui peut aider à réaliser l'importance de la présence de Dieu dans ma vie. Maintenant, bien aimé, frère, soeur, la crainte de Dieu, elle est le alors, la crainte de Dieu est le produit d'un cœur sincère qui est véritablement ancré dans la foi en Dieu. La crainte de Dieu est le produit d'un cœur sincère qui est véritablement ancré dans la foi en Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu qui s'allie, c'est produit, c'est résultat d'un cœur sincère. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on te parle de crainte, à qui ça te baille naissance? Il te baille naissance à la piété. Deuxièmement, il te vient déboucher sur la purification. De purification dans le Nouveau Testament pour aller tomber dans sa capabrelé la sanctification et la sainteté. Maintenant, pour yon moun accepter vivre jodia et dans la purification
et dans la consécration, et dans la sanctification, et dans la justification. Faut que nous nous d'accord que l'élément fondamental, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, lors de la sainteté, c'est mis à part. Lors de la sanctification, c'est mis à part. Et lors de la sainteté de Dieu, ou parler de la nature de Dieu même. Qui donc, si la sainteté, c'est la nature de Dieu même, eh bien, élément cap Edem joindre avec Dieu comme créateur là, c'est la crainte. Parce que, ou après, l'on parle de sainteté, ou pas parler de crainte. Pourtant, si je dis que sainteté, ou bien je vis dans sainteté, en même temps, je ne crains pas bon Dieu, avec toute grâce, je chanel, avec toute grâce, je volé, avec toute grâce, je brigand, avec toute grâce, je suis plusieurs femmes, avec plus toute grâce, je suis fait toute bagaille net, pour qu'ils soient connus, c'est que, par exemple, lorsque moi gagne la sainteté, la sainteté attire la nature de Dieu, mais ça pour aider à respecter les affaires de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Lève mes pendant trois fois, dit la crainte de Dieu dans ma vie. La crainte de Dieu dans ma vie. Deux. La crainte de Dieu dans ma vie. Merci. Maintenant, lorsqu'on dit la crainte de Dieu, c'est produit d'un cœur sincère. C'est pour le monde qui n'a menti à la tête. Et pour moun k'ap chante, prend moi un Jean ou même là et puis il ferme tout douette li yo et puis il fouet douette pied dans terre. Prend moi un Jean ou même là Seigneur. Sans force et sans soutien. On moun k'ap chante comme ça, son moun ou ta wè, visage dit ta doit refléter ça l'ap chante ya. Mais pendant moun n'ap chante ya, checke bien pour wè. Tout douette pied dans terre, ça veut dire l'ap sémenté, mais pour sémenté pas chouel li fouet douette li dans terre. Ki donc ici, bien mes frères, ou pas comme ça? Là mon a cementé pour le tromper mon net doit le fouer dans terre. S'il gagne beau tennis qui gros dans pied, il prend net parce qu'on pas voir. Mais ce tennis là serré gon niveau doit te descendre dans terre après tête tennis là bombé. Donc ici, mes bien-aimés frères et sœurs, ou besoin comment ça? La crainte de Dieu, c'est résultat d'un cœur sincère. Dis mon koto là, résultat d'un cœur sincère. Ça veut dire très cher pasteur Robinson frère Célia Valo, quelle que soit raison un chrétien pas capable de vivre dans la crainte de Dieu si qu'elle pas propre. Pour qui ça, d'après vous-même? Parce que le cœur de l'homme, c'est un trône. Si la poussière est trônant, c'est si la gain ça qui a tiré là. Donc la crainte de Dieu pour mon Dieu habiter la vie, faut que la crainte lui possède quand même. Ou après Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Créons la disait dans le cœur, toute qualité bagaille sortie. Donc, un monde qui va dans la crainte de Dieu, pas étonné aussi pendant la coutole dans le pantalon. Un monde qui va dans la crainte de Dieu, pas étonné pendant la poudre dans la poche pour le poudre de monde. Pas étonné un monde qui va dans la crainte de Dieu pendant la lave bousse. Pas étonné un monde qui va dans la crainte de Dieu pendant la lave qui est capable de déplacer ton téléphone pendant 30 secondes. Pour qui ça? Absence de crainte, c'est la présence du diable. Amen. L'église là. Absence de crainte, c'est qui ça me dit? La présence du diable. Ça veut dire depuis pas de crainte, bon Dieu va pas là. C'est ça que fait. La Bible dit, c'est pas tout le monde qui a dit mettre, mettre. Qui parle dans le ciel là? Ça veut dire tout le monde qui a dit mettre, mettre. En pile fois, tout caillot pas pour bon Dieu. Si caillot pas pour bon Dieu, ça veut dire tout pas dans la crainte. Pourtant, le monde qui parle dans le ciel là, indubitablement, c'est le monde qui a la crainte de Dieu. Amen. L'église. Maintenant, la crainte de Dieu, lui ancré dans la foi nous. Et li la sankonto. La crainte de Dieu li exprime yon l'amour par respect, par soumission et par l'obéissance. Souligne ça yon avem. Yon moun ki gen la crainte de Dieu. Un, l'ap gen l'amour pour les affaires de Dieu. Deux, l'ap gen le respect pour les affaires de Dieu. Trois, l'ap gen soumission envers la parole de Dieu. Quatre, l'ap gen obéissance à la parole de Dieu. On reprend ça. Un monde qui a la crainte de Dieu, un, ou a besoin l'amour pour bon Dieu dans lui. L'amour pour bon Dieu. Dis avec l'amour pour bon Dieu. Deuxièmement, il y a un monde qui a la crainte de Dieu, il a besoin respect pour les affaires de Dieu. Dis respect pour les affaires de Dieu. Troisièmement, il y a un monde qui a la crainte de Dieu, il a soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Dis avec respect, soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Quatrième et enfin, il y a un monde qui a la crainte de Dieu, son monde qui obéit totalement à la parole de Dieu. Dis avec obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu.
premièrement, chaque monde qui là, dans qui profondeur senti l'amour pour bon Dieu. Yon moun nou pa renmen pa ka fè sakrifis pou li. Yon moun nou pa renmen pa ka fè l plezi. Yon moun nou pa renmen même sakrifis ou panse ou ap fè a la pénible fado pou parce qu'ou pa renmen. Mais pou moun nou renmen ou prêt pour traverser les déserts. Ou prêt pour traverser les océans. Même le feu ou prêt pour traverser pou li. Pour qui soit qu'on est ou pa wè sakrifis la, mais wè moun nan à travers sakrifis la. De même, lorsque vous avez l'amour pour bon Dieu, on n'est pas pénible pour vous. Venez de la présence de Dieu là, nous prenons quelques gouttes la pluie. Ça ne va pas faire me battre demain. Parce que vous avez l'amour pour bon Dieu. Bon Dieu exige de marcher droit. Je ne peux pas plaindre, je ne peux pas jouer. Pour qui ça? Je ne pas forcer. Parce que l'amour que pour bon Dieu, il suscite ça dans moi. Le gars de une vie de prière, c'est l'amour bon Dieu qui suscite le nom. Le gars de une vie de consécration, c'est l'amour bon Dieu qui suscite le nom. Attendez ça. Lorsque vous avez respect pour la parole de Dieu, respect pour la parole de Dieu, deuxième élément, la crainte de Dieu le produit dans nous-mêmes. C'est le respect pour les affaires de Dieu. Lorsque vous avez respect pour les affaires de Dieu, tout côté, vous dit Dieu, sous ta parole au silence. Pour qui ça? Ce n'est pas la peur, mais c'est le respect. Amen, l'église. Amen. Vous dit, n'a pas campé pour le respect de la parole de Dieu, n'a pas campé pour nous lire la parole de Dieu. Pas étonnant, je n'ai assemblé à quelqu'un pour 30 personnes qui chita. Non seulement chita, mais ce n'est pas moun qui malade. Ce n'est pas moun qui a un handicap. Sous bêtise, moun qui chita, yo pendant yo chita, y a tant qui l'est pour dire moun yo chita. Yo déjà chita, mais y a tant qui l'est pour dire moun yo chita. Son signe que ou pas de respect pour a fait bon Dieu. Est-ce qu'on connaît gen niveau respect que ou gen pour bon Dieu dans la question crainte là, qui c'est le deuxième élément crainte là le produit en vie ou? Même offrande ou ap déposé, ou ap bon genre préparé. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on connaît? Si m'gen crainte pour bon Dieu, li développer dans moi l'amour pour bon Dieu, li déposer dans moi, li développer dans moi le respect pour les affaires de Dieu. Est-ce qu'on connaît si m'gen pour m'venir prêcher là, gonja pour m'venir? M'pa ka venir n'importe gens? Non, pour qui ça? Respect pour bon Dieu abdim gonja m'doyer. Comprenez ça? Et la soumission à l'autorité de la parole de Dieu, lorsqu'on dit la crainte de Dieu, c'est pour qu'on ait que la parole de Dieu le gen doit pour le décider dans vie. La parole de Dieu ka di ou marié. Amen. La parole de Dieu qu'a dit pas marier. La parole de Dieu qu'a dit pas faire petit. La parole de Dieu qu'a dit pas faire petit. La parole de Dieu qu'a dit pas bien caille. La parole de Dieu qu'a dit pas bien caille. La parole de Dieu qu'a dit pas voyager. La parole de Dieu qu'a dit pas voyager. La parole de Dieu qu'a dit pas mourir bonheur. La parole de Dieu qu'a dit pas mourir à 120 ans. La parole de Dieu qu'a dit pas mourir à 45 ans. Laisse ça lorsqu'on gagne la soumission totale à l'obéissance de la parole de Dieu, alors à l'autorité de la parole de Dieu, tout ça bon Dieu dit c'est amen ou dit. Et d'ailleurs, lorsque l'obéissance à la parole de Dieu, que vous joignez que la crainte lui produit dans nous-mêmes, ou pas poser question sur les affaires de Dieu. Frère, si Dieu dit, c'est ça que fait, ou bien qu'on est ça. Gen moun pour le tromper au lit de Dieu dit. Parce qu'elle connaît, s'il dit Dieu dit, ou quoi? Frère, c'est lui qui a toujours dit ça, mes grands frères. Lorsqu'on moun dit Dieu dit, de vous dit Dieu dit, quoi? Qu'on y a sa gado à bon Dieu. Malheur pour vous. Malheur pour vous. Quatrième élément, la crainte de Dieu, il produit dans nous-mêmes l'obéissance. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous venons nous obéir. Lorsque nous obéissons, nous obéissons à la parole de Dieu, le pape là et en même temps la bougonne. Nous qui obéissons à la parole de Dieu, le pape n'a pas la vue ni là, pas de la vue ni là, on serre un bac et puis il commence à dire toute qualité causée. Je m'appelle mon serviteur Taylor, grand frère nous inoubliable. Il mentionne un bagage comme ça dans la mission. Là, fait. Et puis il dit dans la mission, hein, et on serre l'applique batio. Ou là, c'est difficile. Et puis il dit ça drôle dans la mission. Hein, on joue bon Dieu, baille ou manger. On joue bon Dieu, pas baille ou manger. Et puis il dit bon Dieu, capable, oui. Depuis notre trajet, on est fâché. Il dit bon Dieu, capable, oui, mais la mal mon nous. Ça veut dire que tu dit un moment, lui, il est souffert, tout nèg fâché. Nèg yo mine, nèg yo de guerre. Pour qui ça y a de guerre, d'après nous-mêmes? Parce que le moment est difficile. Ça veut dire que tu leur dis, rejoignez-vous, il dit, monsieur, m'a dit nous ça, moi-même, si bon Dieu a un bagage, si bon Dieu a un geste à faire avec moi, si tu as pour parole mal sonne dans la bouche, mais, bon Dieu a toujours fait geste là parce que je suis souffert, je ne peux pas parler. Il dit rapidement, il y a plusieurs personnes qui ont dit, serviteur, tu es en balai, serviteur, tu es en balai, serviteur, tu es en balai, qui est-ce qu'on est?
c'est l'obéissance qui manquait. Lorsque vous êtes un monde qui obéit à la parole de Dieu, c'est normal ou qu'on est bon Dieu qu'avoir une mission à la pression. Mais on connaît tout bon Dieu qu'avoir une mission à la pression. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, ou qu'on bon Dieu qu'avoir une mission aux États-Unis, tout le bagage allait bien. Ou qu'arrivé aux États-Unis, le Seigneur quitte, ou marcher prêcho, marcher dirigeant, ou marcher adoré, l'op tourne la caille ou mes bien-aimés amis qui payent ticket pour. Ou pensez le Seigneur pas d'accord ça? Le Seigneur pas d'accord ça. Mais laisse ça, ça me besoin qu'on est. Obéissance à la parole de Dieu, dis-moi que je suis pas moi-même, mais c'est Christ qui a fait ça. Levez-moi, on dit Seigneur. Moi, je veux suspendre moi-même. Pour qu'a fait sauver dans la vie. Je presque fini. Lorsque yon moun li craint bon Dieu, craint ça, li gen pour bon Dieu ya, li pousse moun nan pour servir bon Dieu avec dévouement. Amen. Lorsque yon gen la crainte de Dieu, la crainte que yon gen pour bon Dieu ya, li pousse au servir bon Dieu avec dévouement. Avec dévouement, vle di que li pousse au servir bon Dieu avec zèle. Ça veut dire, gen un niveau où moun ap servi bon Dieu ou pa ka imiter. Parce qu'elle bon élément qui fait où elle gens où elle là. Gen moun, mais bien aimé, comprenne ça. Et si vous ne comprenez pas, vous avez un pile orgueil dans l'évangile là. Gen moun pour gen ti grâce, ou paye un prix. Gen moun, bon Dieu, met ton bagay dans lui-même. Gen moun, même s'il ne prend pas genou côté le coucher, il lève même, il dit Seigneur, mais petit tout, non, mais on. En vérité, prier à travers ces planètes, yo, l'aller. Mais gen moun encore, mes bien aimés frères et sœurs, pour prier la passe, c'est monté. C'est parti persistance. C'est parti confession pour faire avant prière passer monter. Donc ici, gen niveau où on a servi mon Dieu, gen niveau où on a adoré mon Dieu, pas ni emmerder, pas ni déranger, pas ni détourner, élément fondamental qu'il faut observer mon Dieu, j'en observer là c'est la crainte de Dieu. Les femmes avaient me dit la crainte de Dieu dans vie. Maintenant, lorsque on a la crainte mon Dieu, les pousser servir mon Dieu avec dévouement et le permettre qu'on obéit avec commandement mon Dieu. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, pour obéir avec le commandement de Dieu, ce n'est pas forcé à forcer. Ce n'est pas goumé à goumavor. S'il vous plaît, l'église, vive droite, non. Père bon Dieu, vive fidèle, non. Gon absence de la crainte. Père bon Dieu, s'il vous plaît, renoncez à vie, non. Et puis, pas nous forcer, mon Dieu, mon qui commence à mettre chaise sous tête, yo. Parce qu'on a dit, yo, vive pour bon Dieu. Gon absence de crainte. Amen. Et pas oublier, m'dou. Côté absence de crainte, yeah, diable là. Côté crainte, yeah, Satan absent, bon Dieu là. Qui donc n'en veut ou? Sous besoin d'une meilleure méthode qui pour permettre leur couche à dormir pour que les anges, bon Dieu, qui marchent dans le côté là, c'est vivre dans la crainte. Sous besoin d'une meilleure méthode, leur corps peut prier au côté, mal fait que tu te mettras les âmes, les tirer pour qu'à toucher la pas capion, c'est vivre dans la crainte. Amen. Et vivre dans la crainte, le plus important que 40 jours jeunes à manger. Lorsque vous servez bon Dieu avec dévouement, ça veut dire avec zèle. Lui permet tout soumettre avec bon Dieu avec l'amour. Soumettre tout avec bon Dieu avec l'amour. D'après nous-mêmes, quand Paul dit, qui s'est séparé ma Christ, est-ce que c'est au forcé ou forcé de dire ça? Jamais, il n'y a pas forcé de dire ça. Il n'y a pas qu'un Paul dans la colette pour dire qui s'est séparé ma Christ. Non. Mais Paul sentit une alliance, une relation. Gon zami taille entre lui-même avec créateur là, lui-même comme créature. Paul dit finalement, d'après ça m'a joué là, qui est-ce qui a séparé ma Christ? Gayon zami qui déclaré, li dit Jules Wel, li nan avion c'est déporté à déporter pour sauter aux États-Unis pour venir Haïti. Li connaît le pape qui a tourné Haïti encore. Li dit depuis nan avion la petite tête li. Jou, li tawel nou avion. Il a déporté le vin à Haïti, il n'a pas tourné aux États-Unis. Depuis l'avion, il n'a pas pris Haïti vivant. La fin à tête, il a avion. Qui donc, pour qui ça le dit ça d'après vous-même? Je pense qu'en pile, nous avons déjà dit son insensé. En pile, nous avons déjà dit que ça n'a pas de respect pour la vie. Nous avons dit tout le bagaille. Mais ça qui est important, c'est parce que c'est parce que lui ouais ça gagne aux États-Unis qui est bon pour lui. Les lois marquées comme une liberté aux États-Unis. Il y a liberté pour le travail. Il y a accès à crédit. Il y a accès à un paquet de bagaille. Il y a accès à la santé. Et bien finalement, ils disent, au lieu de vivre là, pour ne pas tourner, plutôt le tuer tête depuis l'avion. Et bien c'est de même, il y a un monde qui a la crainte de Dieu. Il dit, tête, au lieu de vivre dans le péché, plutôt mourir à soi. Les gens disent ça, ce n'est pas forcé ou forcé de dire ça. Mais c'est réaliser, réaliser, qui béatitude que Dieu est, l'a marché droit dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, il permet de gagner une vie de dévotion. Amen. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, il permet de gagner une vie de dévotion. Donc, au monde qui a la crainte de Dieu, il n'est pas possible, non? Pour chaque jour, ou coucher à 7h du soir, ou lever à 7h du matin, sans dire de mots prière. Il n'y a pas de possibilité pour un monde qui a la crainte de Dieu lever sans prier dans le matin. Pas de possibilité pour un monde qui a la crainte de Dieu passer une semaine sans parler la parole de Dieu. Parce que si c'est cordon ombilical qui est lié avec le Créateur, donc ou pas qu'à exister sans lui. Gen moun la lèl pa priye, il gen toute qualité maladie, oui. Gen moun lèl pa son temps pa li la parole de Dieu, il gen tout manje zon, oui. Son fait normal, oui. Son signe qui doit son bon chemin, oui. Gen moun la joue le raté jou jeune ni, il sent il malade, oui. Son bon signe, oui, nye. Pour qui ça? Gon bagay qui lié ou avec metou. Gat moun koto la dit qui ça lié ou avec metou. Moi presque fini. La crainte de Dieu, il permet de vivre une vie de fidélité et dans intégrité de cœur. Lorsque moun nan gen la crainte de Dieu, c'est un monde qui est fidèle et son monde qui a gen intégrité de cœur. La crainte de l'Éternel, li pas simplement un monde qui demeurait dans la parole de Dieu, mais c'est un monde qui restait demeuré dans la dimension de l'Esprit Saint. Lorsque un monde gen la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui demeure dans la dimension de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui demeure dans la dimension de l'Esprit Saint, qui ça veut dire? Ça veut dire son monde joue et la marche, c'est pas tout lui-même. Autrement dit, yon moun ki gen la crainte de Dieu, l'église, communauté chrétienne, son moun, tout jour ou elle là, c'est pas tout li même li gen reste. Yon moun ki gen la crainte de Dieu, je termine. Yon moun ki gen la crainte de Dieu dans le film, bien mes frères et sœurs. L'orgade ou elle, on jan, c'est branche yon ouais. Même sous te ouais branche yon là, si oui, mais racine yon juste entre Jérusalem. Ça veut dire, yon moun ki vive dans la crainte de Dieu, racine ni pas ici bas, racine ni dans Christ. Ça veut dire, on moun ka vive droit pour bon Dieu, pour faire le mal. D'abord, faut ta tuer la crainte li gen, hein? L'offin tuer crainte là, pour ta tuer vie de fidélité, hein? L'offin tuer vie de fidélité, hein? Pour ta tuer vie de dévotion, hein? Bon, me dit, on va gagner, sérieux. Ou pas qu'on ait gen moun la, gen vie de prière, et puis on bon moi l'an, il sent il pas ka prier encore? Ennemi a cherché une occasion pour le fin avant. Est-ce qu'on connaît gen moun diable pas ka faire aujourd'hui, tomber dans le péché? Bon, me dit, ça m'a dit encore. Est-ce qu'on connaît gen moun diable pas ka râler la gen dans le péché? Moun sa yo kon koman satan combat yo, li combat yo par la paresse. Li combat yo par le découragement. Li combat yo par la maladie, par la maladie. Des moun ki an krete li santi gon paresse ki couvre il, c'est parce que satan pa ka jeton nan péché. La fonja pou le déplogo avec le créateur. Des moun ki an santi pa ka prier, c'est parce que satan pa ka jeton nan péché. Li crasé appétit pour faire la prière. Des moun ki an ki sa ton bon matin, li sa ti kol fait mal, se tu fait mal, dos fait mal, ou pa gen youn nan bagay sa yo, mais c'est diable qui saisit ton douleur nan kòw pour ka retire dans la présence de Dieu. Lève mais on dit par la foi, par l'esprit. Moi déclarer devant ton nom. Ni l'esprit ni nan moi ni comme. C'est pour anken mod dans la vie. Pas ka utiliser par Satan. Pour retirer de la présence de Dieu. Moi déclarer sous la vie ma soya. La crainte de Dieu dans l'esprit. La crainte de Dieu dans l'âme moi. La crainte de Dieu dans corps moi. Moi déclarer. Quel que soit plan ennemi en fait. Plan découragement yo. Anathème. Plan paresse yo. Anathème. Plan maladie yo. Anathème. Plan la mort yo. Anathème. Moi déclaré. Au nom de Jésus. Ma vie dans la crainte. Et si je peux comprendre. Cet esprit. Moi m'en donne en semaine ça. Enseignez-moi. Ouvrez-moi. Révélez-moi. Meilleure méthode. Qu'a fait vivre dans la crainte. Les ma vivre dans la crainte. La vie. La paix pacte le monde. Les mains vivent dans la crainte. Sous quartier côté mretea. Malfecté va pas commander. Les mains vivent dans la crainte. Moi qui pour me jouer. Les béatitudes. Les bénédictions de Dieu. Moi déclaré par la foi. L'esprit de la crainte. L'esprit de la crainte. L'esprit de la crainte. L'esprit de la crainte.
L'esprit de la crainte. L'esprit de la crainte. Pénétrez l'esprit. Pénétrez non moi. Pénétrez comme moi. L'esprit de la crainte. Entrez dans la vie. La crainte de Dieu. Possédez l'esprit. Possédez non moi. Possédez comme moi. Moi déclaré. Moi pas mettre la vie. Cet esprit de Dieu. Où c'est mettre la vie. Menez mon bon port. Cet esprit Kembem. Cet esprit Kembem. Cet esprit conduit. Cet esprit formé. Cet esprit conduit. Cet esprit formé. Cet esprit conduit. Cet esprit formé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.